Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Magharibi ya leo tunamilamukia mujina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous lisons les remerciements et les requêtes. Tutasoma mashukurani na mahitaji ya maombi. Sœur Ntumba Esther remercie le Seigneur. Dada Ntumba Esther anapikia Bwana asante. Pour la guérison de son fils. Vile alimponya mwana wake. Et un autre enfant a eu du travail. Na mtoto wake alipata kazi. Frère Michel Ousseni remercie le Seigneur pour la guérison. Ndugu Michel Ousseni anapikia Bwana asante vile alimponya. Guérison de sa femme après une intervention chirurgicale. Alimponya bibi yake kisha kupasuliwa. Frère Kabimba Leopold remercie le Seigneur pour sa guérison. Ndugu Kabimba Leopold anapikia Bwana asante vile alimtunza. Frère Paul Kapia remercie le Seigneur. Ndugu Paul Kapia anapikia Bwana asante pour sa protection de Lubumbashi sampwe et retour. Mungu alimchunga msafari yake alienda ku sampwe anarudia tena Lubumbashi. Les frères et sœurs du tabernacle de Sampwe, donc Mafunda Sampwe, nous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ndugu na badada ba makutano ya Mafunda na Sampwe bali tulamkia mujana la Bwana Yesu Kristo. Le frère Dudu, berger du tabernacle de Diroro. Ndugu Dudu ni mchungaji wa makutano ya Diroro. Le frère Kapalo, berger du tabernacle de Divuma. Ndugu Kapalo mchungaji wa makutano ya Divuma. Nous aussi salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nabo bali tulamkia mujana la Bwana Yesu Kristo. Nous avons des requêtes. Tuko na mahitaji ya maombi. Frère Matenda Taki. Ndugu Matenda Taki. A des douleurs atroces au niveau de la hanche. Eko na maumivu ya nguvu mkivuno. Et les maux de ventre. Nantumbo iko na muuma. Demande la prière des saints pour sa guérison. Anahitaji batakatifu wamuombea kwa kuponya. Sœur Cécile Ilunga. Sœur Cécile Ilunga. Dada Cécile Ilunga. Que Dieu lui envoie des clients pour ses marchandises. Mungu amtumie bale batanunua biashara byake. Frère Jean-Pierre Kaya. Ndugu Jean-Pierre Kaya. Sera en Kolwezi. Ataenda Kolwezi. Demande la prière. Anahitaji tumuombee. Demande aussi la délivrance de son fils. Anahitaji mtoto yake afunuliwe. Frère Jean Chitenge. Ndugu Jean Chitenge. A besoin de la prière en faveur de ses fils. Anapenda tuombee batoto yake wanaume. Ils sont devenus rebelles à la parole de Dieu. Bo baisha kutombokea neno ya Mungu. Sœur Thérèse Bouendwa. Dada Thérèse Bouendwa. Tu nous requêtes qui nous vient par internet. Ni requête na kuya kunja internet. Sollicite la prière des saints. Anahitaji maombi ya watakatifu. En faveur de ses enfants qui sont tous malades. Juu ya watoto wake bote baponywe benye kwa bagonjwa. Elle-même est accablée par divers problèmes. Na yeye mwenye kuna mambo ya mingi. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Tushimame juu tusome neno ya Mungu. Daniel chapitre 6. Daniel suraya ki ya sita. Verset 26. Mustara ki ya makumi mbili na sita. On peut aller jusqu'à 27. Daniel chapitre 7. Daniel suraya ki ya sita. Non, Daniel chapitre 6, verset 26 à 27. Daniel suraya ki ya sita. Mustara ki ya makumi mbili na sita. Paka makumi mbili na saba. J'ordonne que mina muru hivi. Dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui opère les signes et les prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu, le Créateur.
Notre Père céleste et Dieu tout-puissant. Baba etu aliye mbinguni Mungu Mwenyezi. Te disons merci du fond du cœur. Kwa moyo wetu wote tunakupikia asante. Pour ce rassemblement. Juli rusu tukusanyike tena hapa. Merci encore une fois notre Père. Asante mara nyingine baba yetu. Pour les hauts faits que nous venons de lire. Jua makubwa hii tunatoka kusoma. Savons que tu ne changes pas. Tunajua kama ubadiliki. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Uko yule yule jana leo na hata milele. Comme tu as répondu à nos prières. Paka vile ulijibu kwa maombi yetu. Encore des requêtes que nous venons de lire. Tuko na mahitaji mengine tunatoka kusoma. Croyons Seigneur que tu répondras à tout cela. Tunaamini kwamba utajibu kwa yote. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous. Et tu bénis cette église d'une manière particulière. Pense à notre berger qui est en Afrique du Sud. Prions aussi pour le frère Kaka. Qui va prêcher aujourd'hui à 75 km sur la route Likasi. Soit avec tes serviteurs, notre Dieu. Bénis notre frère qui va nous parler de ta part. Et bénis chaque oreille qui va entendre ta part. Nous abandonnons à toi et sois avec nous du début jusqu'à la fin de ce service. Nous te l'avons demandé ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre bien-aimé frère Mbie Kalombo, il est rentré aujourd'hui en Mbujimayi. Dieu l'a gardé, il est bien arrivé. Que Dieu soit loué pour l'avoir protégé. Nous allons maintenant louer le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Que le Seigneur vous bénisse. Bona pata kumibariki. Comme nous vous l'avions annoncé le dimanche. Paka vile tulimitangazia juma iliyopita. Notre bien-aimé frère Boni Mukoma Mambwe. Ndugu yetu mpendwa Boni Mambwe. Il est pasteur associé au tabernacle de Sofumwango. Ni mchungaji wa kusaidia wa makutano ya Sofumwango. Invitons pour nous apporter la parole de Dieu. Tunamwalika tulete neno ya Mungu. Jusqu'à 16h30, 17h30. Hein? Nous saluons l'Église de Dieu dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous apportons les salutations de nos frères de Chypre, Ndola 57. Kasumbalesa Douane. Barisema tula mukie batakatifu munjina Yesu Kristo. Nous sommes chargés de vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'église est dans la joie. Sijue kama kanisa yuko katika furaha. Pourquoi je demande la joie? Dieu yanini nauliza kama kanisa yuko katika furaha. Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Kwa sababu ni hivi Bwana anasema. La Bible dit. Biblia inasema. Soyez toujours joyeux. Uwe kila mara katika furaha. Même dans les moments difficiles. Soyez toujours joyeux. Uwe paka na furaha. Même si je prie, je prie et que le ciel ne répond pas, cela n'est pas le signe que Dieu m'a abandonné. Dieu est là. Il est vivant. Même ce soir, il est toujours vivant. Daoud dit, dans la souffrance, il est toujours mon Dieu. Dans la joie, il reste mon Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans les jours de détresse. Yesu ni fura, Yesu ni fura yangu, ameja apendokwe. Anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Anaweza kusimika kila mwenye udhaifu.
Tu es digne de louange. Mungu sheko tu bien. Dieu est tellement bon. Mungu shini baba. Dieu est notre père. 1 roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza sura yake ya 17. Verset 1. Mstari wake wa kwanza. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tukunasoma mu jina la Bwana Yesu Kristo. Elie. Elia. C'était Elie. Alikuwa ni Elia. Le Tishbite. Mutishibe. L'un des habitants de Galate. Ce n'était pas au ciel. C'est l'un des habitants de Galate. Dit au roi Akab. Malgré tu es roi. Sache que l'Éternel est vivant. Je ne sais pas si ce soir nous croyons que l'Éternel est vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Je demande à ancien et jeune peut prier. Naomba mzee jeune unaweza kwa kuomba. Oh nous faisons notre père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Mara tena baba yetu tunakushukuru. Nous demandons de nous assister. Tunakuomba tusaidie. Puisses-tu utiliser ton serviteur et donne aussi à chacun de nous un bon entendu. Nous nous abandonnons à toi. Et sois avec nous pendant tout le service. Car nous te l'avons demandé ainsi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Mambo iko hapa. Le problème qui est là, ni mambo ya Eli. Il s'agit de Eli. Eli mtumishi wa Mungu. Eli le serviteur de Dieu. Anenda kupambana na mfalme. Il est allé à la rencontre du roi Akab. Asikone mfalme hapana. Il n'a pas considéré son titre de roi. Juu ya nini? Pourquoi? Palikuwa mambo. Parce qu'il y avait un problème. Mambo ya nani? Lequel? Mambo ya Mungu. Le problème de Dieu. Mambo ya Mungu wanaikombaniaka. Le problème de Dieu, on doit se battre pour le problème de Dieu. Amuyashikia. Vous n'avez pas encore bien compris. Eli anasema. Eli dit. Marido uko mfalme. Bien que tu sois roi. Bien que tu aies une femme, une femme moderne, mais sache que l'Éternel Dieu est vivant. Malgré qu'il faisait tout ça, malgré la dureté, sache que l'Éternel Dieu est vivant. Bien que tu sois serviteur, sache que le Dieu que tu sers est vivant et il agit. Papa. Père. Baba. Papa. Muntu anatosha kiste. L'homme qui ôte le kiste. Bila cicatrice. Sans cicatrice. Kuna shini Mungu. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ukatale uichike ni Mungu. Que tu le veuilles ou pas, il reste Dieu. Soyez certain de lui. Uwe na ile hakika ya kuwa yuko Mungu. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire quoi? Avoir la certitude que nous croyons à un véritable Dieu. Puissant. Malgré la gravité du sida, tunamini, les dieux en qui nous croyons, il est tout puissant.
Le Dieu des paradoxes. Mungu wa mastajabu. Alors c'était quel Dieu? Na alikuwa Mungu. Ni Mungu kani? Il est quel Dieu? Eli continue. Eli anendelea. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israël. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Aina Mungu wa wote hapana. Uniquement le Dieu d'Israël. Alikuwa Mungu wa Israël tu. Pourquoi le Dieu d'Israël? Tu y a nini Mungu wa Israël? Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Mimi sijui kama tuko nenda pamoja. Bon appétit. Mukule mzuri. Jean chapitre 4. Yohana sura ya 4. Ndugu yetu Yohana naye anakonfirma anasema. Notre frère Jean verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient d'Égypte. Le salut ne vient pas n'importe où. Là où tu mets ton espoir là. Le salut ne vient pas de chez Balombi. Aujourd'hui l'église est tellement malade. Mon frère, tu es malade. Tu es partout tout en cherchant le feu. Honte à toi. Le feu est dans la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Ça, c'est le feu dévorant. Ça, c'est le feu dévorant. Si tu obéis à la parole de Dieu, si Mungu atakubariki, Dieu te bénira certainement. Oh, kuria ma pomme. Oh, mange les pommes. Oh, nani, twende kumulima kawama. Rendons-nous à la montagne de Kawama. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Niju, mungu na abudu kile amujue. Car le salut vient de Jésus. Mana okofu iko natokea kwa Yuda. Le salut c'est l'homme. Na okofu ni mutu. Sasa ule mutu ni nani? Galilee. Mutu wa Galilaya. Muimbaji anaimba. Le psalmiste dit. Muimbaji anaimba. Le psalmiste dit. Ata bizazi minakombolani. Même si les générations se changent. Même si les gens refusent de croire en lui. Même si les prédicateurs cessent de prêcher. Dieu reste Dieu. Soyez certain de lui. Même si j'ai pris pendant plusieurs années et que Dieu ne réponde pas, je dois être certain qu'il répondra un jour. Mungu, Mungu. Nishi pate kazi. Oh, voilà, je suis toujours au chômage. Mungu hauna huruma. Dieu, tu n'as pas pitié. Mungu hauna huruma. Oh, Dieu, tu n'as pas pitié. Haunione. Dieu, tu n'es pas miséricordieux. Honte à toi. Unasema ma sauti ya nguvu. Tu parles durement. Cette fois-ci, Marai, vous verrez la différence. Mutaona chanisho. Entre celui qui sert Dieu. Kati Mungu. Na ule mwenye shimutumikia Mungu. Pierre. Petro, Banatubamba. Nous sommes arrêtés. Banatubamba. Nous sommes arrêtés sûrement. Faut tripem palata. Nous devons payer le. Ah, il y a un problème. Shimon le trésorier Jida. Va voir le trésorier Jida. Jida nasema. Jida dit. Amuna kintu. Il n'y a rien, Seigneur. Ah. André. André. Amuna tana quelque chose. Tu n'as pas quelque chose dans ta poche. Machine, dis, je n'ai rien. Simon, Simon et toi, c'est toi qui es le plus âgé parmi tous ces gens. Le problème des gens, ne dépend pas de l'âge, ni dépend pas de l'âge. Tu dois avoir Dieu en toi. Mambo ya Mungu ni maisha. Le problème des dieux, c'est vivre la parole de Dieu. Maisha ya kuoza, tu as une vie suyée et puis tu te déclares aigle. Quel genre d'aigle? Un aigle qui vit dans le désordre et tu te dis aigle. Jezabel. Jezabel. Mangaribi ya leo. Ce soir. Kuko mtu anaeko na mtoto yake kunyumba Jezabel. Y a-t-il quelqu'un qui a sa fille qui s'appelle Jezabel dans sa maison? Dada yetu hapa Jezabel. Y a-t-il une sœur qui se nomme ici Jezabel? Hakuna. Personne là. Mais Dieu ni mko napenda kubeba bintu yake. Pourquoi vous voulez toujours porter ça ce soir? Vous voyez? Mon abeba bintu yake. Vous portez ça ce soir. Mais vous rejetez son nom. Aya yenu. Honte à vous. Fuyez la civilisation. Ukimbie Kizungu. La civilisation vient du diable. Kizungu kinatoka kwa shetani.
kizungu na mambo ya Mungu habitatembea. La civilisation ne peut jamais marcher avec la parole de Dieu. Hii neno ni original. Cette parole est originale. Inabakia ya asili. Elle reste originale. Akabe. Akabe. Mufalme. Le roi. Atari kwa mufalme. Même s'il était le roi. Mais alikuwa efféminé. Mais il était un efféminé. Kilume kikaji. Un efféminé. Bilume bikaji habita ingia. Les efféminés n'entreront pas au ciel. Uko napika magoti munyumba mwako. Mon frère, tu t'es mis devant ta femme. Aya yako. Honte à toi, mon frère. Bilume bikaji habita ingia. Les efféminés n'entreront pas. Chimina répète. Je le répète. Bilume kikaji habita ingia. Les efféminés n'entreront pas. Vous, les démons des efféminés, sortez au nom de Jésus-Christ. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, dans cette salle, nous sommes différents des autres. Sasa juu ya nini uko napanda kushuka mu Lubumbashi obamba radio obamba mali tu dois sillonner, tu dois toucher à la radio, tu dois porter l'eau. Dieu n'est pas dans toutes ces citations là. C'est faux, c'est du mensonge. Mungu, Dieu est dans sa parole. Banabi mia hine na makumi tano ya bali. Eli était seul. Mambo haina wingi. Le problème n'était pas le nombre, mais le problème c'est la qualité. Eli anasema. Eli dit. Mina bakia mi peke. Mais voici il restait seul. C'est ma bongo yako. Dis non, là tu te trompes, Eli. Bongo yako. Eli tu te trompes. Baobili twache kiburi. Prédicateur, ne soyons pas orgueilleux. Baobili twache kiburi. Prédicateur, ne soyons pas orgueilleux. Tu es resté seul. Bongo. Non. Angalia huko. Regarde à côté. Angalia mukesi. Regarde là la Angalia mukavu. Regarde la cave. Niko na vyombo. J'ai encore des instruments. Mwangalie huko. Regarde l'autre côté. Mwangalie huko. Voilà, regardez de ce vyombo. Côté. Ce sont des vases. Vyombo. Ce sont des vases. Mungu ashakuvitayarisha. Dieu les a déjà préparés. Baboy. Ce sont des vases, des serviteurs. Des serviteurs. Il prépare la bonne nourriture. Ce soir, je ne sais pas si nous sommes ensemble, l'église. Nous sommes en train de planter les décors justes. Nous allons bien évoluer. Matthieu 24. Matthieu, makumi mbili na ine. Verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuko nasoma mujina la Bwana Yesu Kristo. Car kwa mana, il se révélera de faux Christ. Ba Kristo wa bongo batashimamaka. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Des faux wins. Ba pakaliwa mafuta wa bongo. C'est ce que nous croyons. Jo kile tunamini. Ce n'est pas les faux Christ. Ana ba Christ wa bongo. Les faux wins. Ba pakaliwa mafuta wa bongo. Soi-disant prophète. Leko nasema ni ba nabi. Leo mu Lubumbashi kama uko na tabiri uko prophète. Aujourd'hui si tu prophétises à Lubumbashi tu deviens directement prophète. Na batoto wa Mungu wanakuwa ku Mkongo. Et tous les enfants de Dieu les suivent. C'est un prieur. Il agit. Ce n'est pas nous qui agissons. Mais c'est Dieu qui agit au travers de nous. Ce n'étaient pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Avec Dieu, tout à nous ferons des exploits. Il n'y a jamais eu de souffrance éternelle. Il n'y a jamais eu de maladie éternelle. Il n'y a qu'un Dieu qui est éternel. Et en qui notre espoir? L'espoir de ceux qui dorment à Kasangiri. Mule mukasangiri mukonenda. La akasangiri uvrandela. Muko matuburi ingine ya kuachana na ya bengi. Il est de ces hommes qui sont différents des autres. Amen. Alléluia. Amen. Anesha kulala. Il s'endort. Nwele nanguka. Les cheveux tombent. Mwili inapomoka. Le corps est détruit. Mifupa inachangana na bulongo. Les os sont confondus. Wakati tarompeti italinda. Mais au son de la trompette.
Je sais que mon rédempteur est vivant. Il sera vainqueur. Tu vas fuir d'ici dimanche parce que Jésus est lui-même l'homme digne. Il se révélera des faux Christ. Et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. C'est ce que le Seigneur dit ici. Les païens, comme on a prononcé le nom de Jésus, les paralytiques marchent. Des païens, comme ils ont prononcé le nom de mon père, l'aveugle peut voir. Amonon. Continue. Mais l'aigle de Dieu ne va pas se branler. Il est sur le fondement. Vous savez comment ils agissent? Bimarqué orgier. C'est ils font le bimarqué orgier. On a indiqué gol et amour orgier. Comment ils vont à la fin? Est-ce que ce but là sera considéré? Non. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? À tout coup, fanya kamio dise mojina la koboan. Je ne vous ai jamais connu. Mais si amidjou akakamwe. Il y a quoi, ni orge. C'était un but marqué hors jeu. Mais lorsque nous nous jouons au foot, s'il y a des gens qui connaissent bien le diable, c'est nous ici. C'est pas toi qui incrimine les tantes et les grands-parents. Nous savons que toute maladie, il s'agit des démons. J'ai entendu un prédicateur dire, j'ai suivi une prédication ici à Lubumbashi. Il dit, frère, dans notre âge, dans ce temps de l'Odyssée, on trouve un prédicateur avec une multitude autour de lui, qui sont atteints de diabète. Cesse-le, mon frère. Dieu ne te connaît pas. Toi, un prédicateur. Attention. Tu souffres de l'hypertension. Tu es un païen, mon frère. J'ai dit, non, là, tu te trompes. Ce corps ici. N'est pas encore racheté. En cours de route, même si je souffre du diabète, je graisse les dents. Même si je ma bouche, il y a une tente. Un corps théophanie. Un corps du ciel. Lorsqu'il sera manifesté, ce corps corruptible va tomber. Je désire de l'autre côté. Je désire le voir ce soir. Église, avez-vous un peu d'espoir maintenant? Je sens que vous avez maintenant de l'espérance. Ne vous troublez pas. Frère. Oh non, tabernacle, il n'y a pas le feu. Quel genre de feu cherchez-vous? Soyez certain de Dieu. Que nous avons un Dieu puissant. Il opère sans cicatrice. Et qu'on n'a pas sous l'ac, n'a chacha que Moukov. Il maîtrise bien le combat. Chilobo. Il est le vaillant conquérant. Sambu abikelenkele. Mungu wa miujiza. Sambu abishima. Mungu wa mastajabu. Mwanaume katikati ya wanaume. L'homme digne parmi les hommes. Mungu wa buluma. Soyez certain de Dieu. Mwe na hakika ya Mungu. Mumupeko confiance. Accordez-lui un peu de confiance. Mumutumainie kanisa. Espérez en lui, église.
internet. Toi qui me suis en ligne. Unatoka mukongo na kwa mupagani. Tu as una confiance na Mungu. Après quitter le Congo, tu deviens un païen. Aina Congo inatufanya waaminifu. Ce n'est pas le Congo qui a fait de nous des croyants. Aina Zimbabwe inatufanya waaminifu. Ni moins encore le Zimbabwe. Aina Amerika inatufanya waaminifu. Ce n'est pas l'Amérique qui a fait de nous des croyants. Aina Lubumbashi inatufanya waaminifu. Ni moins encore Lubumbashi. Aina Poli wala village inatufanya waaminifu. C'est pas la brousse ou le village qui a fait de nous des croyants. Ce qui a fait de nous des croyants, c'est la parole de Dieu. Alinipenda mi wa kwanza. Il m'a aimé le premier. Nous continuons. Tunaendelea. Et des miracles. Na miujiza. Au point de séduire, si était possible, même les élis. Kama ingewezekana bangiweza kutongoza taba mbali. Mais c'est impossible. Il est nakatala. C'est là, je refuse. Muteule. Un élu. Muteule. Un élu. Uleko nakulia hii chakula. Qui se nourrit de cette parole? Ntai eko na chakula yake. L'aigle a sa nourriture. Ma groupe de prière nayo iko na chakula yake. Les groupes de prière ont leur nourriture aussi. Que Dieu vous bénisse. Mungu apate kunibariki. Nous continuons avec Elie. Tunaendelea na Elia. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, dont je suis le serviteur. Mwenye niko natumikia. Il aura ces années ici. Hii miaka hii. Ni rozo. Akutakuwa wala ni umande, pui, wala mvula. Sino ama parole. Paka kama mimi nasema tena. Ce n'était pas la parole d'Elie. Haikukwaka neno ya Elia. C'était la parole de Dieu da Elie. Ilikuwa ni neno ya Mungu mukinyo ya Elia. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Nous ferons des exploits. Tutafanya mastajabu. Mungu eko bien. Dieu est tellement bon. Mina mupenda Mungu. Je l'aime. Nini nawezi kunitenga na mapendo yake? Qu'est-ce qui peut me séparer de son amour? Ni njala. Est-ce la faim? Sina mu Christ ju mu frigo mko Thomson. Moi je ne suis pas chrétien parce que j'ai beaucoup de nourriture dans le frigo. Sina mu Christ ju mu congélateur mko plein. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai beaucoup de nourriture dans le congélateur. Seigneur, je ne suis pas chrétien parce que j'ai de la farine, parce que je sais si ou c'est là. Non. David dit. Daoud anasema. Dans le malheur. Muhole. Dans le bonheur. Muraha. Tu es mon Dieu. Wewe unabakia Mungu wangu. Alléluia. Amen. Ma sœur. Dada yangu. Soyez certain de Dieu. Uwe na hakika ya Mungu wako. Oh, mambo yangu inakawa. Oh, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Kuko siku moja. Il est un jour. Frère. Kama kuko famille abuelewele. Si y a une famille drôle, ni c'est la nôtre ici. Bantu abapatake kaji. Des gens qui sont toujours Bongo au chômage. Yako. C'est faux. Oyo Mungu tunami. Les dieux en qui nous croyons. Il est le véritable consolateur. Ni mufariji wa byakweri. C'est un ami qui ne manque jamais dans les jours de détresse. Ni rafiki mwenye wezi kukosa wakati wa taabu. Il est le consolateur. Yeah, oui. Ni mufariji ndio iko na fariji. Isaïe 26. Isaïe 26. Dado na sikia neno ya Mungu butamu. Ma sœur, comment as-tu bien goûté la parole de Dieu? Mungu. Espère en Dieu. Oh, estomac yangu inakawi. Oh, j'ai beaucoup traîné avec ma gastrite. Ni mais cela appartient au diable. Parle wiko. Là où tu es. Comme on a mis. Si tu crois. Ya kusema Mungu ni mujima. Que Dieu est vivant. Estoma inatoka mujina. La gastrite va cesser. Esaïe 26. Isaïe 26. Verset 4. Mustari wa ine. Ah Mungu eko bien. Oh Dieu est tellement bon. Uyu Mungu wa bien hivi. C'est Dieu qui est bon. Uko nenda kuba mufumu. Et toi tu le laisses et tu te rends chez les défunts. Tu es vraiment vil. Tu n'as pas de valeur. Un enfant, un prince. Tu vas ôter tes souliers. Devant un païen. Qui est incirconcis. C'est parce que tu ne connais pas bien ton identité. Écoutez ce que Esaïe dit. Confiez-vous à l'Éternel. Amen. L'église de Christ. Confiez-vous à l'Éternel. Mutumishi. Serviteur prêche. Anaobiri. Il prêche. Anaobiri. Il prêche. Bipofu binaona. Les aveugles recouvrent la vue. Biwete binatembea. Les paralytiques marchent. Bamakaji banapata.
Les chômeurs trouvent du boulot. Ma prophétie n'a toka. Il y a des prophéties. Anasimani kona Mungu. Dit j'ai Dieu. Akika ni kona Mungu. Certainement j'ai Dieu. Uyu Mungu. C'est Dieu. Paka vile Elia alisemani kona Mungu. Tel que Elie l'avait dit. Na mimi ni kona Mungu. J'ai aussi Dieu. Bon, ça ina eneya. Maintenant le temps est là. Nitoke sasa nyende. Je dois m'en aller. Il prend son vélo. Comme c'était dans une brousse. Il a pédalé son vélo. Il évoluait. Il était fatigué. En mi-chemin. Il y avait la pluie qui menaçait. La pluie menaçait de tomber. Bible. Il avait la Bible à côté. Couverture. Sans couverture. Dis Seigneur, je vais m'agenouiller. Je voudrais savoir que je suis ton serviteur. Si cette pluie tombe, je vais jeter cette Bible et je vais arrêter de te servir. Il est Dieu. Il y a un Mungu qui répond contraire à nos pensées. Il est Dieu. Seigneur, Buan, unisaidi. Aide-moi. Unitoshi akaka kintwaka. Ôte-moi ceci, cette infirmité que j'ai. Yangu. Que mon ombre. Yangu. Mon ombre. Muntu akitambuke. Si quelqu'un passe par là, anaponda. Trouve la guérison. Bakibebe mavazi yangu. Si l'on prend mes habits, banenda kweka bagonjo. On va les apposer sur les malades. Les malades retrouvent la maladie. Sasa mimi ni mtumishi. Mais moi ton serviteur. Aunione. Tu ne vois pas mon Paul. Ma maladie. Paul. Paulo. Paul. Paulo. Ma grâce. Neema yangu inakuenea. Ce soir. I magharibi. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Testifie. Inakuenea na wewe. J'ai déposé plusieurs, mais je suis toujours au chômage. Espère en Dieu. Après la prière, après 5 minutes, une grande pluie est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Il était tout mouillé. Il a pris la Bible. Il a jeté. Il dit, c'est fini, je ne vais plus servir. L'aigle ne peut pas abandonner. L'aigle. L'aigle. Qu'il puisse abandonner de servir Dieu. Non, tu nous avais trompés. J'ai beaucoup souffert. J'abandonne la parole de Dieu. Tu n'es pas encore un croyant. Écoutez bien, Église. Il n'y a jamais eu un croyant sans épreuve. Les épreuves, c'est un signe qui montre que Dieu me connaît. Église, il n'y a jamais eu un croyant sans épreuve. Ce sont les épreuves qui nous enfermissent dans la foi. Lorsque les nuages viennent, lorsque les maladies viennent, je regarde devant, je ne vois rien, je ne vois personne. Derrière, dans ma famille, dans ma famille, les oncles, les grands-parents, personne n'est là. À gauche, personne, les amis, personne, à droite, je tournerai le regard en haut. Koukou mon aoumé. Mumulu mujimuntu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jéhovah wagano la kale ole. C'est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Wagano jipya. Les serviteurs de Dieu sont partis. Il est parti dans son village. Il a été reçu. Toute l'église était à côté. Les serviteurs. Tu as Dieu.
La pluie qui est tombée ici. On avait mis le feu dans le brousse. Et ta maison chambre là a été aussi embrasée. Les bébés étaient dedans. Toute ta richesse était là-bas. Mais la pluie, Vula. La pluie qui est tombée là a été le feu de brousse. La pluie a été le feu de brousse. Frère, n'est-ce pas, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu peux douter de lui? Oh non, moi je ne serai jamais prise en mariage. Qui t'a trompé? Le mariage n'est pas au désert. Le mariage ne se trouve pas au désert. Le mariage n'est pas non plus dans l'église. Le mariage n'est pas au tabernacle. Le mariage est dans la parole de Dieu. Diplôme, le diplôme. Ne les cherchez pas chez les balombi. Le diplôme. Licence, la licence. Doctorat, le doctorat. Trouve-le, cherche-le dans la parole de Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais dans Jean le monde de la Jean Moussa, n'y a pas ça quand tu vas tabou. Pierre. Petro. Wend. Vas-y. J'ai déjà créé un tilapia quelque part. Moi, je l'ai déjà créé. Tilapia. Un tilapia quelque part. Ushilobe va deux. Ne va pas pêcher deux. Moya. Pêche seulement un seul. Aina bwingi bwa maombi. Ce n'est pas la multitude de prières que tu auras la réponse. Na kuomba kunye atuyuwa. Et d'ailleurs, nous ne connaissons même pas prier. Mais Saint-Esprit. Mais le Rome te catifu. Il prie pour nous. Il prie en notre faveur. Parce que ma wazo ya bantu. Parce que la pensée des hommes est différente de celle de Dieu. Pierre anatoka. Pierre est sorti. Il n'avait pas d'espoir. Dans un poisson vraiment. Je vais trouver de l'argent dans la pièce de monnaie dans le poisson. C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes. Il est yewezekane ku bantu. À Dieu est possible. Pa Mungu inawezekana. Ah, njopa le Elia alisema l'Éternel est vivant. Voilà pourquoi Elie a dit que Mungu comme Jima. Il a jeté son hameçon. Aikukawe. Ça n'a même pas traîné. Kama ta yako eneneye. Si ton temps est arrivé. Alléluia. Ah. Yo temps est nafika. Le temps est là. Il y jette l'hameçon. Quelque temps après. Les bénédictions de Dieu. Tu ne peux pas souffrir pour avoir les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu. Tu ne peux pas passer une nuit au essai pour les avoir. Les bénédictions de Dieu, tu ne peux pas les avoir dans les toilettes. Ce sont les bénédictions de Dieu. Elles sont à Dieu. Il a jeté son hameçon. Il n'y a même pas de conditions pour avoir les bénédictions de Dieu. Il a retiré le poisson. Il a ouvert le poisson. Je peux le mettre au feu. Non. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Tenons-nous sur la parole de Dieu. Tenons Dieu à ses mots, à ses paroles. Toi, tu as dit. Vous ne serez pas la queue. Vous serez la tête. Toi, tu as dit. Dans la maison de Dieu. Il n'y aura pas des affrontements. Il n'y aura pas des séries. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Il descend toujours au dernier moment. Lorsque l'homme est à bout, il ne sait plus quoi faire. Il est dans un cul de sac. C'est à ce moment-là que vous verrez le puissant vainqueur. L'homme lui-même.
Lorsqu'il arrive, sache que tu as la solution à ton problème. Comme tu l'écoutes ce soir, tu as la solution à ton problème. Confiez-vous à l'Éternel. À perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Papa. Papa, Baba. Maman, pourquoi est-ce que tu peux douter? As-tu jamais vu? Ou bien chez les Balouba? Ou chez les Kasayens? Ou chez les Bahemba? Ou chez les Karunda? Les gens qui marchent, les rochers qui les suivent derrière. Alléluia! Alléluia! Lorsqu'ils s'arrêtent, les rochers s'arrêtent aussi. Lorsqu'il se repose, les rochers se reposent aussi. Quand ils veulent partir, les rochers aussi partent. Cet événement n'a jamais eu lieu sur la terre, à part Jésus seul. Et ce rocher était notre Seigneur Jésus-Christ. Confions-nous en lui. Et mettons notre confiance dans ce message que nous avons. Un peuple sans la révélation. C'est un peuple sans frein. C'est trop. Nous nous sommes des aigles. Nous avons des freins. En parlant. En agissant. Lui, il est Dieu. Elie dit. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israël. Dont je suis le serviteur. Il n'y a pas de meilleure chose que de connaître son identité. Elie dit. Malgré votre multitude. Frère. Mon frère. Donc, mon frère. Furai kama mbingu na kuyua. Réjouis-toi si le ciel te connaît. Dada moya, une sœur, sœur wetu, notre sœur, jale na mukamata. Elle avait tellement faim. Analia. Elle a pleuré. Anasema. Elle dit, hakuna tena matumaini. Je n'ai plus d'espoir. Tuko déjà 18h. Il est déjà tard, 18h. Hatutakula batoto. Les enfants, nous n'allons pas manger. Alikuwa na batoto bawili. Elle avait deux enfants. Mais mina yua kintu kimoya. Mais je sais une chose. Les Écritures ne trompent pas. Elles disent, Dieu, c'est David qui disait ça. J'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mes enfants, comme moi, je suis injuste. Dieu ne va pas nous abandonner. Mais là, comment allons-nous trouver la nourriture, maman? Ça, papa, Mungu atakuja. Il dit, notre Dieu viendra. 20h. 20h. Maman, papa, Mungu ashikuje. Maman, mais notre Dieu n'est pas là. Atakuja. Il viendra sûrement. 22h. Ils ont vu un papa venir avec son vélo, avec un panier de poisson. Des pneus crevés. Odi. 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 Est-ce que je peux trouver où poser ma tête? Approchez. Approchez. Kulala ou talala. Tu vas passer une nuit, bien sûr. Mais la nourriture, il n'y a pas. Vous savez, on passe nuit au village. Même si tu es boss, tu vas passer une nuit dans un payote. Il a passé une nuit avec le feu à côté. Les pêcheurs ne manquent rien. Il a aussi une poignée de farine à côté. Il a ouvert. Il a donné à la maman. Avec le poisson, il a donné aussi. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Alléluia. Les enfants ont dit, nous ne pouvons pas manger sans pour autant rendre grâce. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu.
On est papa, bien mon petit là. Et le monsieur là a été dépassé par l'événement. Il était dépassé par l'événement. Papa Mungu. Moi, je deviens papa Mungu. Ah, parce que tu ne connais pas bien le problème. Le salut. C'est nous qui le maîtrisons. M'a touché Ndakufa, ma peine, quel monde, ma peine, yaya na pita, ma peine. Et remercions tous ensemble le Seigneur.
gloire et l'honneur. Internet, pourquoi pas deux éléments.